été. Bientôt j'adorerai comme bientôt j'adorerai comme eux. Bientôt j'adorerai comme eux. Mais je sais que joignant ma voix au Saint-Cantique, bientôt j'adorerai comme je ne sais quel sera le palais éternel, mais je sais que mon âme y sera reconnue. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel. Pour moi s'ouvre le ciel. Un regard de Jésus sera ma bienvenue. Pour moi s'ouvre le ciel.
Mesdames et messieurs, chers amis bien-aimés, que la paix de Dieu soit avec vous tous. C'est à la voix de Nadel Louis Jean. Je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Eh bien, mesdames et messieurs, à vous-mêmes, nous toutes qui branchés sur les réseaux en cette matinée du mardi 10 août 2021, nous vous souhaitons le bonjour et nous vous souhaitons la bienvenue à l'heure de la délivrance, quel que soit à côté courrier, hein, l'heure de la délivrance en cette matinée contente pour que l'I capable saluer et rentrer la caillou pour porter t'y crasse la joie, t'y crasse l'espoir, t'y crasse la paix, à ou même t'y crasse encouragement. Et nous souhaitons que vous capable passer moment avec nous en pied maintenant. Donc, à toutes amis nous yo qui branchés, nous souhaitons faire encore la bienvenue, bonne adoration et bonne participation à service dans le matin. Nous remercions le Seigneur pour le doux réveil, puisqu'il nous a permis de nous réveiller en cette matinée et nous sommes contents, nous sommes reconnaissants envers lui pour ce doux réveil. Et pour débuter le service de ce matin, m'a invité à chanter ensemble au numéro 47 des hymnes et louanges « Que ton fidèle amour est une grande chose, ô Dieu, mon Rédempteur, mon rocher, mon gardien. » Que ton fidèle amour est une grande chose, ô Dieu, mon Rédempteur, quel puissant soutien, oh quel puissant soutien, que ce bras de ta grâce, où mon cœur se repose. Oui, je marche avec toi dans mon pèlerinage. Autrefois j'étais seul, sans guide, sans sauveur. Mais aujourd'hui Seigneur, je poursuis avec toi mon terrestre voyage. Bien-aimé fils de Dieu, mon cœur plein d'allégresse, dans la paix de la foi, se tient sous ton regard. Oh, quelle riche part, oh, quelle riche part, mon âme chaque jour possède en ta tendresse. Ainsi moi ton enfant, Seigneur, devant ta face, je marche vers la gloire et la félicité, et pour l'éternité, et pour l'éternité, ton amour près de toi me réserve une place. Et maintenant, mesdames, messieurs, m'a invité à lire ensemble le psaume 5. Nous lisons le psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal.
le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel aborde les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton Saint-Temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. Et maintenant, mesdames et messieurs, quel que soit à côté que vous trouvez en ce moment, que ce soit à la maison, encore au lit peut-être, ou à travers les rues, déjà acheminant vers la maison ou allant au travail, ou du moins au travail dans un petit coin, quel que soit à côté que vous trouvez, le moment est à la prière. N'apprendons pour que vous soyez capable d'incliner, couper, prosterner, agenouiller, ça dépend de côté que vous êtes. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, c'est avec reconnaissance, c'est avec joie que nous nous présentons à tes pieds en cette matinée. Nous voulons te dire merci, ô notre Dieu, pour le doux réveil, puisque nous étions comme des morts plongés dans le sommeil, nous pas te connaissons rien qu'à passer autour de nous, rien qu'à passer du tout. Cependant, ce matin, ou réveillez-nous. Pour tout cela, nous te disons merci. Merci d'est-ce que ou toujours kembe nous dans mi temps vivant yo. Parce que gen pile Seigneur qui était déjà débuté le mois d'août et qui ne sont plus en ce moment. Gen pile Seigneur qui débuté semaine et ils ne sont plus. Gen pile même qui ouais journée jodi an et dans moment ça yo pas là encore. N'a béni non. N'a pas dit merci, parce que malgré les difficultés de la vie, les vicissitudes, les problèmes, les déboires, la souffrance, la maladie, le deuil, mais on toujours continue à veiller sur nous, on toujours continue à payer ben nos protections. Nous te remercions pour ta clémence et ta bienveillance. En ce matin, Seigneur, non, je voudrais présenter à toi tous tes enfants, tous ceux qui sont branchés à ce programme à l'heure de la délivrance. Yo vini Seigneur avec un pile besoin, un pile problème. Gué en pile lorsque yo réveil matin, yo joine en pile l'autre difficulté, l'autre problème qui ajouté à ça qui yo t'ai déjà gagné. Cependant, yo croit dans vous-même. Yo connaît que c'est vous qui êtes le pourvoyeur, le grand mathématicien de tous les âges, le grand guérisseur divin. Voilà pourquoi, à l'aurore du jour, yo vin nan pied ou pour yo chercher présence. N'apando, oh Dieu, permet que service ça capable pour yo yon baume de délivrance, yon baume de guérison, yon baume d'espoir, yon baume de joie, de paix. Et qu'ainsi, après que descend sous réseau yo, yo capable sentir yon transformation, yo capable sentir yon régénération, yo capable sentir Seigneur gon changement qui fait nan yo. Et yo capable gen la force nécessaire pour que yo capable traverser cette journée. Nou pa konnen ki sa journée en réservé pour nous, mais puisque ou même ou konnen,
C'est vous-même qui ouais tout bagaille, tu es l'omniscient, l'omniprésent, l'omnipotent. Nous en d'autant prie. Continue, prends soin nous et veillez sous nous. Bénis tout l'autre yo Seigneur qui a fait plan pour monter, qui peut encore monter. Permet que vous capable joindre nous sous réseau yo. Et qu'ainsi nous capable passer un bon moment dans pied. Permet que service ça capable agréer devant vous. Service ça capable accepter devant vous comme un parfum de bonne odeur, comme l'encens du matin. Et qu'ainsi Seigneur, les capable descendre sur nous en arrosé de grâce et de bénédiction. Entends notre cri, entends notre prière. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque jour sur les réseaux, du dimanche au vendredi, de 6h à 7h30 du matin. À toutes les amis nous qui à peine branché sur le réseau, qui à peine monté, eh bien nous vous souhaitons le bonjour et nous souhaitons que vous capable passer un agréable moment avec l'heure de la délivrance en cette matinée. Et maintenant, mesdames et messieurs, juste avant que nous passions dans le vigile matinal pour aujourd'hui, nous avons invité à chanter notre chantème que nous trouvons dans le numéro 580. À ton école, divin maître, nous sommes venus nous former. À ton école, divin maître, nous sommes venus nous former. Enseigne-nous à te connaître, toi-même apprends-nous à t'aimer. Et maintenant, mesdames, messieurs, pour journée jeudi, mardi 10 août, eh bien, nous trouvons vigile matinale non, dévotion non, dans le livre qui est écrit par la servante du Seigneur Ellen G. White, qui est intitulé « La puissance de la grâce ». Et pour journée jeudi 10 août, non, titre c'est « L'exigence divine ». L'exigence divine. Selon le verset de mémoire, Matthieu 5, le verset 48, il est dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Eh bien, mesdames et messieurs, la servante lui déclarait, lui dit, quand Dieu a donné son Fils au monde, les hommes y recevoir la possibilité pour qu'ils soient capables de venir parfaits par l'emploi de chaque faculté de leur être à la gloire de leur sauveur. En Christ, bon Dieu bail à tout le monde les richesses de sa grâce et connaissance de sa volonté. Lorsque vous renoncez à vous-même, lorsque vous apprenez pour que vous marchez dans l'humilité, vous appuyez sur Dieu comme guide vous, le ça, vous va accomplir le dessein glorieux que bon Dieu formé pour vous-même. Et bien, la perfection, zanmim, de caractère non, li dépend de relation non avec le Christ. Ou pas capable espérer pour que vous capable gagner un caractère qui parfait, un caractère qui semblait avec Christ, qui modelé sous Christ. Si que ou pas dépend de lui, si que ou pas appuyé sur lui. Donc c'est seule façon ça que caractère capable un caractère qui modelé sur Jésus. Ou pas capable vraiment marcher dans l'humilité si que ou pas connecté à Jésus, si que ou pas dépend de lui-même. Et ou capable comprendre mes bien-aimés, sinon appuyer constamment sous mérite Christ parce que nous pas gain au pièce mérite, si que nous pas appuyé, si que nous appuyé constamment sous lui, sous mérite lui, eh ben nous capable suivre trace lui et nous capable venir aussi pur et irrépréhensible même genre avec lui. Pas oublier que moi toujours dis ça,
la nature de l'homme est pécheresse. Cela veut dire, par nature, nous sommes tous des pécheurs. Mais le fait que, par nature, nous sommes tous des pécheurs, ça va veut dire pour que vous contentez, vous prenez plaisir, vous acceptez pour que vous soyez capable de vivre dans le péché, pour vivre dans le mensonge, vivre dans l'adultère, pour que vous vivez dans la calomnie, pour que vous vivez dans le crime. Non, il y a un peu de monde qui prend prétexte, qui prend excuse, parce que y a une nature qui pécheresse, y a toujours la chair est faible. Oui, la chair est faible, parce que notre nature est pécheresse. Cela veut dire la chair est faible, cela veut dire qu'on a une tendance, naturellement, on a une tendance pour faire le mal. C'est ça la chair est faible, non? Ou gen tendance pour faire le mal. Naturellement, ou attiré pour faire le mal. Cependant, si que ou appuyé sous Jésus, si que caractère modelé sous Jésus, si que ou connecté à Jésus, Jésus mande pour que ou capable parfait, li mande pour que ou capable pur et irrépréhensible. C'est ça que lié. Donc, ou besoin pour que ou capable comprendre que vous devez faire effort pour que vous soyez capable de pas vivre dans le péché, pas demeurer dans le péché. Nature est faible, non? La nature pécheresse, ça le dit encore. À n'importe quel moment, vous pouvez tomber. Parce que nature faible, la chair est faible. Puisque vous avez tendance, non? À n'importe quel moment, vous pouvez tomber. Cependant, un monde qui est connecté à Jésus, même lorsque par accident ou tombé, mais ou doit lever, ou doit ressaisir pour que ou capable retirer corps dans sorier ou pas continuer à vivre là-dedans. Notre sauveur n'exige de personne des choses impossibles. Il n'attend rien de ses disciples sinon ce qu'ils peuvent accomplir par sa grâce. Nous devons pour que nous capable lutter pour que nous atteignions notre sphère d'activité, la perfection que le Christ a réalisée pendant sa vie terrestre dans tous les aspects de son caractère. Notre Sauveur, lui voulait que nous capables nous sauver parfaitement et non partiellement. Sa grâce agit sur l'ensemble de notre être qu'il a créé et racheté. Le corps aussi bien que l'esprit et l'âme participent à la nature divine. Tout est sa propriété. Il se l'est acquis. Jésus-Christ acheté nous par son sang. Nous avons été rachetés par son sang. Au bois du calvaire, que tout être nous entier, que tout être nous, esprit nous, cœur nous, tout entier, âme nous et force nous, tout bagage sa yo capable mette à donner à service le Seigneur. Alors, laissa, il va glorifier nous, laissa nous va posséder la sainteté et laissa nous va appeler petit li et lorsque le retourne, nous capable prêt pour que nous aller avec lui à vivre le bonheur sans fin dans le ciel pour 1000 ans et retourner sur la nouvelle terre pour l'éternité. En côté pas gain souffrance, pas gain douleur, pas gain séparation, pas gain cri, pas gain problème, nous va vivre dans la joie et dans le bonheur complet. Et mes amis, c'est ça que servante nan dit nous dans vigile matinale là, dans livre que l'écrit la puissance de la grâce. Et pour jeudi, journée, mardi 10 août, non? Il te gagne pour titre l'exigence divine. Mais oui, c'est une exigence. L'exigence que bon Dieu mandait de nous, c'est que nous doués pour nous parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et mes amis, vous suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque jour sur les réseaux du dimanche au vendredi. De 6h à 7h30 du matin. Et nous capables comprendre que jodi an, moi m'ap jouer en pile wall si ta gen un zami nou qui sou réseau an qui remet l'heure de la délivrance et qui disponible qui ta remet présenter pour nous le vigile matinal les mardis et vendredis. Donc ou capable juste dresser yon ti note, voyon texte bon moi, dresser yon ti note ou bon mon appel. Parce que moi gen place ça vide mardi et vendredi yon moun ki te capable assurer le vigile matinal pour nous. Bien, mes chers amis, nous allons entrer dans la leçon du jour.
Comme nous connaissons, nous avons étudié la leçon 7. Leçon 7 qui vient pour titre le repos, les relations et la guérison. Le repos, les relations et la guérison. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Genèse chapitre 45, le verset 5, il est dit maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu ici. Car c'est pour sauver des vies que Dieu m'a envoyé en avant de vous, selon Genèse 45, le verset 5. Mesdames et messieurs, comme on connaît depuis longtemps, depuis semaine dernière, nous avons étudié la vie de Joseph, ça qui passait, la caille monsieur. Maintenant, hier, nous avons préparé le terrain. Côté que Joseph t'a préparé terrain. Hein? Il t'a préparé terrain pour frère yo, il t'a préparé terrain pour que li capable en sauver yo, aider yo, sauver la vie yo. Nous voyons qui en pile stratégie que Joseph t'a utilisé pour que il t'est capable assurer le tout bon que messieurs changé, que messieurs yo prend conscience que frère yo repenti. Nous connaît déjà toute stratégie que monsieur t'a utilisé. Et jodi an, pour journée mardi qui 10 août non. Eh bien, le son en titre non, c'est pardonner et oublier. Pardonner et oublier. Mes chers amis bien-aimés, on définit le pardon comme la volonté d'abandonner ses droits à la rancune, à la condamnation et à la vengeance envers quelqu'un qui nous a fait du tort ou envers un groupe qui agit de manière injustice. Zanmim, ça veut dire, le pardon, c'est la volonté d'abandonner ses droits à la rancune. Ça veut dire, lorsque un monde fait ou yon bagay qui dû, lorsque un monde attaque ou, lorsque un monde li sorti pour détruire la vie ou, lorsque un monde pour li sorti pour détruire réputation, pour sale réputation, quelle que soit injustice non, quelle que soit offense non que moun nan fait à ou même, eh ben ou gen droit pour te capable kembe rancune, ou gen droit pour te capable condamner moun ça, ou gen droit pour te capable venger moun ça. Cependant sa pardon fait que ou abandonner droit ça. Et le docteur Marilyn Amour, c'est un thérapeute familial qui t'a travaillé avec moun qui t'a souffri dans l'Holocauste nan. Et ben il découvre un bagaille. Il dit l'idée même du pardon est un acte intentionnel de la victime. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça. Le pardon c'est pas un sentiment que lié. Le pardon c'est un bagaille que ou offri que victime nan. Li offri avec toute intention. D'ailleurs, lorsque ou pas offri le pardon à moun qui offensé ou, à moun qui voulait détruire ou, à moun qui fait du mal, eh bien, c'est pas moun ça qui gen problème seulement, ou même tout gen problème. Ou pas ka gen repos. Ou pas ka gen repos. Parce que chaque fois qu'on songe, bagay ça que moun nan fait ou non, puisque ou pas pardonné li, ou toujours gain tendance pour que ou capable al venger moun sa, pour que ou capable al correspondre avec li pour renni réciprocité. Eh ben le pardon gain un bagage qui très important pour que ou apprendre. Gain un pile monde qui toujours a dit oh oui moi-même et pour que moun nan dit pardonnem, cependant il pas pardonnem vrai parce que j'en t'ai avec moi avant, il pas avec moi comme ça. Give me a break. Ou sorti pour tuer un monde, ou sorti pour détruire un monde, ou sale réputation un monde, ou sorti pour faire un monde perdre manger, perdre job li. Et puis puisque monde ça c'est chrétien que lié, li pardonné ou. Ça veut dire que le pas il pas gain tendance pour le venger à ou même. S'il ou dans le besoin, il camper pour que l'aider ou pour que le bon service. Mais ou pas qu'à attendre pour que monde ça pour le retourner, pour la manger avec ou encore. Give me a break. Le pardon, c'est pas vle dire oubli. Le pardon, li vle dire que ou abandonner droit pour que ou venge à mon nom.
ou abandonner droit pour que ou condamner moun nan. C'est ça que lié. Et puis pas oublier, le pardon ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conséquences. C'est ça, oui, c'est une conséquence yo. Si m'te bien avec ou, ou la kaye mwen n'ap manje ensemble, n'ap abye ensemble, ou la kaye mwen pa gen limite. M'fò confiance ou fè m'confiance, pa gen rien que m'pa partage avou ou pa partage avèm. Et bou soti pou tchwe m. Ou soti pou tchwe petit mwen. Ou so ban mon kout kouto mak nan piye mi nan mèm. Mais en tant que chrétien, m'a pardonné ou m'dwe pardonné ou. Cependant, ou pa ka attendre que pou m'toujou al lakay ou al manje avec on kwa ap rakonto tout afè mon ko. Give me a break. Le pardon pa vle di oublier. Le pardon pa vle di que pa gen conséquence. Conséquence c'est que amitié que m'te ga avec ou an, li pa même gens encore. Parce que il faut que m'prend précaution. Il faut que m'capable prudent. C'est ça que lié oui, ça ou pa ka comprendre là. Le pardon ne veut pas dire laisser quelqu'un persister dans ses schémas de violence. C'est ça oui. Le fait que m'pardonne ou, ça veut dire que m'pa ka bon porte, m'pa ka bon occasion si ko pa changer vrai parce que gen pa kèt moun ki coquin qui nan malice. Si ke ou pa changer vrai, m'pa ka bon porte pour persister nan vie ak méchanceté de violence que ou a faire. Ça veut dire si m'bon porte pour faire ça, ou a faire mon l'autre coup encore, peut-être qui pi grave. Donc par conséquent, m'doue prendre précaution. Le pardon veut dire que nous remettons à Dieu notre rancune et notre soif de vengeance. Ça veut dire que lorsque me garde même moi ouais ma koto te piqué, lorsque me songe que ou tué petite moi, lorsque me songe que ou tué madame moi. Donc bagay nan vin nan tête moi. Cependant en tant que chrétien puisque me pardonné ou me remettre rancune nan, me remettre soif vengeance nan à l'Éternel. C'est l'Éternel qui connaît qui gens l'a réglé avec ou si qu'on pas changé vrai. C'est ça pardon yé. Dans le cas contraire, la colère, l'amertume, le rancœur et la haine ne feront qu'amplifier ce que cette ou ces personnes nous ont fait. Mais bien aimé, pas de doute, l'une des clés pour apprendre à pardonner, c'est de comprendre que nous avons été pardonnés en Christ. C'est seule façon ça que vous êtes capable de pardonner au monde sans problème. Il pas bon problème pour vous, il pas bon fardeau lorsque vous apprenez que Christ pardonne vous chaque jour. Jésus-Christ a pardonné moi-même avec vous. Donc, puisque Jésus-Christ lui pardonné moi-même avec vous, donc nous devons pour que nous apprenions, pour que nous pardonnions tout le monde qui fait nous du tort, tout le monde qui fait nous mal. Et lorsque vous pardonnez un monde qui fait mal, ou délivrez tête, ou libérez tête, c'est ça qui est un pile monde qui est malade. Yo malade, yo pas confortable, parce que chaque jour, yo ap rappelé yo san moun te fè yo et yo vle venger moun nan et yo poko venger a moun nan yo poko ka correspondre avec moun nan ça rend yo malade lorsque yon moun fò du tort ou même ki victime nan lorsque ou pardonne moun nan ou libéré l laisse ou guéri et puis lorsque ou pardonne yon moun a fait garder mon ainsi que li pardon li accepter pardon ou soit si que mon a changé tout bon mais ou même avec bon Dieu ou connaît que ou libre ou connaît que ou pas gagné contre moun ça et sous ta va ouais moun ça sous un chemin côté que c'est ou pour servir li tant que Joseph li m'te dou hier que Joseph t'ai pardonné monsieur yo depuis avant monsieur vini. Depuis avant yo vini, il t'est déjà pardonné yo et c'est ça qui te permet que il t'est capable faire un pile succès. Bon Dieu t'est servi avec lui. Parce que si que il t'est kembé rancune, il t'est kembé monsieur dans cœur li, bon Dieu pas t'a aidé le prospérer, pas t'a fait le prospérer, Jean que le prospérer. C'est ça, si Joseph avait eu une attitude différente, eh bien cette histoire ne serait pas terminée de la même manière et n'aurait pas eu une fin aussi heureuse. Zanmim, tout zanmim kap tandem an ce matin. Moi-même avec vous, nous toutes nos victimes. Nous toutes nous gen paquet offenseurs. Eh ben nous même qui victimes yo.
pas oublier, le pardon, c'est une obligation. Le pardon, c'est pour un bagage qu'on choisit pour faire. Le pardon n'est pas optionnel pour le chrétien. On pas qu'il y a monde qui dit oh oui, c'est un peu prêt pour me pardonner un tel. Give me a break, ou pas prêt. Qui j'en pas prêt. Tout monde, tout chrétien, lorsqu'on monde fait mal, automatiquement on doit pardonner monde. Ou pardonner. Ça va veut dire que lorsqu'on pardonne, on pas songer ça le fort non. Sou do pas songer, on a coquin. Amen, sans au fait dimensha. Ou gen en mémoire. Cerveau pi bon que n'importe computer dernier modèle. Ça veut dire que l'homme on fait mal, l'a monté dans l'esprit ou. Mais puisque c'est chrétien courrier, lorsque le monte dans l'esprit ou remettre à bon Dieu le droit de venger, mais pas au même pour venger, au pardonner mon nom. Et si que mon nom pas changé, et même lorsque mon nom changé, me garantis ou, pas grand rien qu'on faut pas payer. Même si mon nom changé, il prend conscience. Ça le fort qui mal la payer quand même. C'est pas ou qui fait le payer, mais bon Dieu a vengé pour vous. Eh ben, ou changé David, et ça qui arrivé David, David te payé conséquence péché là quand même. Quoi que bon Dieu pardonne le. Eh ben amis, que vous capable prendre note et que vous capable apprendre pour pardonner tout le monde qui fort du tort. Et lorsqu'on fait ça, on va trouver le repos. À bon entendeur, salut. Nous avons étudié, mesdames et messieurs, la leçon 7 qui gagne pour titre le repos, les relations et la guérison. Et selon la leçon du jour, pardonner et oublier. Donc, nous te montrons qui ça pardonne et nous te montrons qui gens que ou capable vraiment oublier. Cependant, lorsque on bagaille monte dans tête ou, donc ou besoin pour que ou capable remettre toute bagaille à bon Dieu. Et maintenant, mesdames et messieurs, juste avant que nous passions dans la lecture du jour, nous invitons à auditionner un morceau instrumental. Suivez l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque jour sur les réseaux, du dimanche au vendredi de 6h à 7h30 du matin. À toutes amies qui a peine monté sur réseau yo, nous vous souhaitons le bonjour et nous vous souhaitons la bienvenue à Rest Programme.
Et maintenant, mesdames et messieurs, comme vous savez, nous sommes encore à l'exploration du livre de Matthieu. Et je dis, nous arrivons dans le chapitre 15. Non? Nous arrivons dans le chapitre 15 dans le livre Matthieu. Il est dit alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit: Écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Jésus répondit: Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Pierre prenant la parole et lui dit: Explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: Vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Jésus répondit: Je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais la femme vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, répondit la femme, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Jésus quitta ces lieux et vint près de la mer de Galilée. Étant monté sur la montagne, il s'y assit. Alors s'approcha de lui une grande foule ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muettes, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit: Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeûne.
de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui dirent, « Comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule ?» Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?»« 7, répondit-il, « et quelques petits poissons. » Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magadan. Ainsi prend fin, mesdames et messieurs, la lecture du 15e chapitre du livre de Matthieu. Dans ce chapitre, mesdames et messieurs, vous pouvez voir un sujet que en pile monde prend pour que vous capable faire toller avec lui pour vous capable laguer monde en confusion. Côté que yo dit que vous capable manger toute bagaille parce que c'est pas ça qui entre dans bouche monde qui souiller monde. Eh ben yo pas comprendre dans qui contexte que Jésus-Christ a dit ça. Et Jésus-Christ li bay réponse nan, li bay clarification. Lorsque Jésus-Christ a dit ça, eh ben Jésus-Christ a parlé à pharisiens yo parce que yo te gen tradition pour que moun pa ka manger sans yo pa lave men yo. C'était tradition ça. Jésus-Christ vient pour le dire, c'est pas ça qui entre dans bouche monde qui souille monde. Ça veut dire ça qui souille monde, c'est vieux bagaille qui saute dans cœur yo. C'est dans cœur, dans pensée ou gain pensée pour commettre crime, ou gain pensée pour parler monde mal, ou gain pensée pour que capable commettre adultère. Ah mais c'est bagaille ça qui souille yo saute dans cœur, mais ça qui entre dans bouche pas qu'à souiller yo. C'est ça Jésus qui te dit yo, et yo comprend ni mal jodi an, nou an pile moun yo prend ça pour yo di, oh oui, ou ka manje tout bagay, n'importe ça qui entre dans bouchou ou bénil, ou ka manje l. Give me a break, nonsense. Jésus qui mette clair, li dit que ou pa gen aucun problème si ko manje avec men ou, ko pa lave men ou, ça pa ka souye ou. C'est ça Jésus qui t'a discuté avec monsieur yo. Mais pas question que ou ka manje tout bagay. Sou ka manje tout bagay, pour ça ou pas en fait jodi an nou wè que l'homme manje tout bagay vrai parce que yo manje couleuvre, yo manje calmasson, yo manje cocody, yo manje tout bagay. En pile soi-disant moun k'ap mache a bon Dieu, yo di oui ou ka manje tout bagay. Give me a break, nonsense. C'est pas ça Jésus-Christ t'a discuté. Il t'a discuté sujet côté que si que ou manje sans que men ou pa lave, ça pa ka souye ou. Parce que selon tradition juif yo, eh ben yo te kembel comme yon bagay pharisien yo scribe yo. Donc depuis on moun manja non sans laver, donc pour yo même ou même son moun qui souillé. Eh ben à bon entendeur salut zanmim. Et maintenant mes bien-aimés, pour que nous capable entrer dans ti conversation nou avec le Seigneur, dans ti moment de réflexion nou, côté que nous allons nous confesser. Nous allons demander à Dieu le pardon, puisque pas gagne rien dans nous qui bon zanmim, pas gagne rien qui pour permettre que bon Dieu accepte service que nous a offrir chaque jour non, si que ou pas prend conscience de état ou pas demander le pardon pour péché ou. Voilà pourquoi m'a invité à chanter ensemble au numéro 90, tu m'as lavé de mon péché en t'immolant pour moi. Tu m'as lavé de mon péché en t'immolant pour moi. Tu m'as pour jamais attaché à toi, mon divin roi. Mais dans ta grâce infinie, je viens poursuivre ton œuvre en moi. Et que tout, oui, que tout pliera mon âme de tel un roseau, tel une fleur, au souffle des zéphyrs, docile et souple que mon cœur.
je plie à tes désirs. Jésus lui-même a dû fouler le douloureux chemin. Et moi, pourrais-je reculer ou repousser sa main? Viens dans ta grâce infinie, achever ton œuvre en moi. Devant toi, et s'il le faut, tu peux briser ce qui s'oppose à toi. Et si doit régner au divin maître en moi, tu connais mon cœur insoumis et sa ténacité. Tu connais tous mes ennemis et leur habileté. Viens dans ta grâce infinie, achever ton œuvre en moi. Et que tout, oui, que tout plie en mon âme devant toi. Moi, chérir ta volonté. Et toute ma félicité soit toujours d'obéir. Et maintenant, mesdames, messieurs, m'a invité à lire ensemble le psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé, contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, nous offrirons des prières sur ton autel. Amen. Et maintenant, mesdames et messieurs, juste avant que nous passions dans la prière de confession, et nous t'avons demandé à notre bien-aimé ancien ténor Médor, il est capable de présenter la prière de confession pour nous aujourd'hui. Mais juste avant, nous avons chanté un couplet du numéro 252. Viens à Jésus, il t'appelle. Viens à Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle. Aujourd'hui, viens à lui.
le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, Papa, nous qui nous sommes là, en ce mardi matin, qui c'est un jour que tout le monde prépare pour en faire baisser le verre. Mais avant que nous sortions dans la rue pour nous vaquer à nos activités, nous voulons présenter au je vous mets ça devant. Nous voulons présenter devant, dans quoi nous sommes capables de garder nous et protéger nous. Notre Dieu, et nous profiter de l'occasion pour nous remercier. Remercier dans le sens que vous permettez que nous passions dimanche, lundi, sous le grand protecteur, et nous sommes sortis dans la rue, nous m'appelons, à y mal pas arriver. Nous. Nous remercions encore pour une nuit là que nous passons en miel. Et nous réveillons la terre, nous détruisons les pieds, nous pointons, nous et autres. Nous n'avons pas grand mal qui arrivait, non. Et tandis que Seigneur, il y a des milliers de personnes qui dorment, qui ne pas lever, et des milliers de personnes qui dorment et qui peut-être font stroke, et des milliers de personnes qui font une crise. Des milliers de personnes qui soient des chats autres, mais nous-mêmes, notre Dieu, notre Père, petit que nous y ayons, gardez-nous, protégez-nous. Nous disons merci, merci pour ça. Merci le fait qu'on continue à protéger-nous. Merci le fait qu'on continue à garder-nous. Merci le fait qu'on soit toujours capable de mon côté, nous. Pour capable d'éclairer nous. Tandis que nous présenterons face au matin avec nos manquements, nos culpabilités, nos péchés, nous demandons à mon papa pour capable de laver, nous purifier nous. Nous faisons des péchés qui ne sont pas agréables devant nous. Nous faisons des choses qui ne font pas plaisir. Et Seigneur, le plus souvent, nous connaissons, nous pouvons le faire. Mais Satan pousse nous à faire des choses qui ne marchent pas sur nos principes. Mais maintenant, encore une fois, Seigneur, nous mettons nous toute fin de ça, nous protéger devant l'autel de grâce. D'abord, nous ne pouvons pas être capable. Chaque monde qui souligne le matin, nous sommes capables de laver. Chaque monde qui souligne le Seigneur, nous ne pouvons pas pardonner que nous pouvons pardonner de ça, on fait qui mal. Chaque monde qui se lit dans ma terre, Seigneur, a un esprit nouveau, une vie nouvelle. De façon à ce que le Seigneur va continuer la lutte chrétienne. Sans le pardon du péché, même là, nous sommes capables, même là, nous, t'as voulu continuer la lutte chrétienne. Non. Mais le fait que le péché, il va bon pour nous. Mais d'abord, le bon papa, pour chaque qui se lit dans ma terre, ben, nous, on nouvelle vie. Nous, un nouveau caractère. Fait que Seigneur, en tant que chrétien, nous avons marché dans les rues, nous travaillons. Côté que nous y pour nous, oui, ce sont des chrétiens qui ont marché. Pas des chrétiens qui ont marché pour des routines, mais des chrétiens qui ont servi pour capable aider les autres à suivre les principes du Seigneur. Notre Dieu, notre Père, un pasteur d'Istria qui a fait un travail exceptionnel, pasteur Jean-Michel Etienne, va nous présenter devant ma terre, encore une fois, le cabaret de grâce. Côté qu'on apprenne, on va façonner, on va modeler, suivant volonté. On va retirer un pécheur là dans le lit. C'est comme ça que Seigneur est capable de faire travail, moi, j'ai commandé, et d'esprit est capable de d'esprit exemplaire. Et chaque monde qui a suivi, nous-mêmes qui a suivi, ça va pas Seigneur, nous, il est capable d'un exemple. Et non seulement exemple, le voit capable de progresser, et des âmes sincères et honnêtes
qui, jusqu'à présent, dehors de l'Église, capable de venir au bercail. Notre Dieu, notre Père, nous avons des personnes qui sont malades. C'est péché, oui, qui a péché nous progresser. C'est péché qui nous malade. C'est péché qui nous pas qu'à aimer pour chez nous. C'est péché qui nous pas qu'à avoir harmonie avec frère nous, Seigneur. La main du Seigneur qui va retirer péché dans nous-mêmes. Aidez-nous à pardonner l'une l'autre. Et comme ça, Seigneur, l'Église est capable d'avancer. L'Église est capable de progresser. Et Seigneur, nous allons marcher sur vos volontés. Bénis chacun de nous, pardonnez péché nous. N'abandonnez pas ma proposition en nous-mêmes. Et je n'ai pas profitable pour nous à tous égards. Non seulement profitable, mais vendredi matin, nous allons avoir des témoignages à rendre, des témoignages pour nous allons rendre. Et l'autre, nous allons connaître, oui, l'observer au bon Dieu qui vit. Avec nous, pardonnez péché nous. Bien pitié pour nous. Parce que c'est des choses qui ne sont pas moi ou même. Sanctifie-nous. Parce que c'est ça que nous avons cherché. Entends, exauce et pardonne. Notre Dieu, notre Père. Nous t'en supplions à cause de nous. Et nous prions au nom de Jésus. Lui qui vit et qui règne maintenant et au siècle des siècles. Amen. 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 Vous êtes branchés à l'heure de la délivrance. Un programme diffusé chaque jour sur les réseaux, du dimanche au vendredi, de 6h à 7h30 du matin. À tous les amis qui à peine joignent nous sur réseau, sur Facebook, sur ligne téléphonique, non? Eh bien, nous souhaitons le bonjour et nous souhaitons que vous soyez capable de passer ce moment avec nous dans le pied maintenant. Pas oublier ou même qui branchez sur Facebook, changez pour partager la page à vos amis. Voyez la page à vos amis. Voyez notre nom à vos amis. En pile d'amour, va content pour que vous tombez sur un tel programme. Bien, mes chers amis, nous allons marcher vers la fin du programme. Et juste avant que nous fassions un petit bout de louange pour le Seigneur, et puis pour que nous passions dans la prière de l'intercession, et nous allons inviter côté que nous allons méditer. Comme vous connaissez depuis la semaine passée, nous allons méditer sur les paraboles. Les paraboles de Jésus qui au nombre de 39. Et je dis, on arrive dans la 9e parabole là, qui intitulée Le trésor caché. Le trésor caché, c'est 9e parabole là. Et c'est un seul évangéliste qui présentait parabole ça, c'est Matthieu. Marc pas dit un seul et Luc pas dit un seul. Donc selon Matthieu chapitre 13, le verset 44. Côté que Lydie, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Eh bien, zanmim, yon trésor, c'est un bagage qui est précieux, c'est un bagage qui est important. Yon trésor, c'est un bagay que ou considéré. Yon trésor, c'est un bagay que ou bay en pile valeur. Donc, c'est ça. Royaume bon Dieu, hein? Il semblait à yon trésor qui caché dans yon champ. Et moun qui joigne yon, li caché li. Et là, il fait tout ça qui dépend de li. Pour que le capable vienne acheter tessa, acheter champ, pour que le capable. Gain trésor dans. Et mes amis, la parole de Dieu est donc un trésor. Un trésor. Donc, lorsque vous embrassez la parole de Dieu, lorsque vous croyez dans la parole de bon Dieu, eh bien, son trésor qu'on joigne. Trésor, ça, il est capable d'assurer la vie éternelle. Il est capable d'assurer le bien-être sur cette terre. La parole de Dieu, l'est capable épanouir de en pile danger, en pile malheur, parce que parole bon Dieu, c'est lui-même qui instruit, c'est lui-même qui justifie, c'est lui-même qui sanctifie. Donc la parole de Dieu est comme un trésor
jodi an, wè gen pil moun ki méprisé parol bon Diye. Gen yon paket moun ki méprisé l'évangil, eh ben, gen yon le, yap chèche l. Yap chèche l'évangil, yap chèche parol nan pou yo achete l, yo pap ka jwenn ni. Donc, zanmim, royom bon Diye an, se kon sa l semble a yon moun, yon moun ki trouve yon trésor nan yon chan et li kache trésor sa pou lot moun pa wèl, pou lot moun pa gen tan al pran. Et li fè tout sa k depan de li pou ke l'achete terrenyan juste pou ke l kapab posede trésor nan. Zanmim, eske ou gen yon trésor? Eske ou embrase Jésus? La vie éternelle est donc un trésor. Le plan du salut est donc un trésor. Donc, est-ce qu'on gagne l'espoir de la vie éternelle? Est-ce que on connaît que Jésus lui fait un plan du salut pour vous? Est-ce qu'on accepte plan ça? Est-ce qu'on accepte offre ça, invitation que Jésus-Christ fait vous? Lui mande pour qu'on capable croire dans lui et on va gagner la vie éternelle. Donc, à bon entendeur, salut. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous avons invité au côté que nous avons chanté au numéro 394 des hymnes et louanges, contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Contempler mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel, jeter à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Unis ma voix au chant des anges, bénis, louer Emmanuel, chanter à jamais ses louanges, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Jouir d'une paix infinie, revoir mes amis dans le ciel, posséder l'immortelle vie, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Retrouver les saints dans la gloire, près du trône de l'éternel, célébrer la même victoire, c'est là le bonheur éternel. Dans le ciel, vivre avec Jésus dans le ciel, dans le ciel, dans le ciel, c'est là le bonheur éternel. Zanmim, quel que soit ça que moi-même avec vous, nous avons fait face sur cette terre. Nous n'avons qu'un seul espoir. L'espoir d'aller vivre avec Jésus dans le bonheur éternel. Eh bien, pour que nous capables arriver à vivre avec Jésus dans un bonheur qui pas jamais fini, eh bien, nous besoin pour que nous capables attacher nous, connecter nous et
pratiquer les principes de son royaume. Pas oublier ça que je toujours dit, sous terre, tout autant que Christ pas encore tourné, ou tout autant que bon Dieu pas encore voyé, nous allons reposer. Nous avons toujours fait face à des problèmes, des difficultés, parce que nous vivons dans un monde de péché, dans un monde de problèmes, côté que tout bagaille tête en bas. Actuellement, tout ça qui est bien, c'est mal que lié devant yeux tout le monde. Et tout ça qui est mal, il paraît bien dans yeux tout le monde. Ou à vivre dans un monde qui tête en bas. Dans un monde qui rempli avec immoralité, corruption. Donc, puisque moi-même avec vous, nous dans le monde, non. Nous pas gain le choix. Donc, nous tous, nous à victimes. Victimes de conséquences péché. Mes amis, espoir, bonne nouvelle que m'gain pour vous, c'est que Jésus, il est toujours avec vous. Quel que soit ça que vous faites face, non. Quel que soit problème, la maladie, en difficulté, il est toujours avec nous. Et il promet nous que tout bagaille va bien. Tout bagaille va bien avec Jésus. Oui, tout est bien. Oh mon âme, ne crains rien. L'amour suprême veut ton seul bien. Les flots, les vents, il les mesure à son enfant. Dieu toujours le même. Et il veille sur nos tendrements. 5:23. Oui, tout est bien, oh, mon âme ne craint rien. L'amour suprême veut un seul bien. Les flots, les vents, il les mesure à son enfant. Dieu toujours le même veille sur nous tendrement. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses. Son grand amour veille nuit et jour par nos douleurs. Il veut former nos cœurs, car Dieu comprend, il entend, il délivre toujours. Attend son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Oui. Jésus l'a dit aux siens, petit troupeau, ne crains, ne crains rien. Dieu règnera, enfin le monde le verra. Sa gloire éternelle, le ciel éternel remplira. Dans nos détresses, Dieu nous tend ses richesses. Son grand amour veille nuit et jour. Par nos douleurs, il veut former nos cœurs, car Dieu toujours attend son heure, sa promesse demeure jusqu'au grand jour. Sans l'Éternel, qui nous protégea? Qu'Israël le dise, sans l'Éternel, qui nous protégea? Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous,
Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée, comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. C'est le psaume 124. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au moment de l'intercession. Côté que nous allons crier à l'Éternel, frapper le rocher. Et puisque c'est lui qui dit, lorsque les malheureux crient, il entend. Donc nous réclamons les promesses de l'Éternel. Et côté que nous va présenter des gens, présenter des noms. Bon Dieu connaît nous déjà, il connaît moun yo déjà, il connaît tout ça qu'en danger déjà. Mais c'est là le bienfait de l'intercession, côté que nous va intercéder en faveur de nos frères et nos sœurs. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande, ou même captant des amis, par contre qui quantité problème qui emparé ou par contre qui quantité souffrance que vous faites face dans le moment ça. Cependant, je viens pour me dire, même lorsque les bagailles ont augmenté, les problèmes ont augmenté, souffre, maladie ont augmenté, souffrance ont vint pidu. Eh bien, prenez courage. Jésus est là. Il vous comprend. Il vous voit. Et autant voulu, autant manqué, il vous répondra. Plus le mal est pressant, plus ma misère est grande. Plus l'abîme est profond et béant sous mes pas, plus le péril extrême, un prompt secours demande, puis je me réfugie au Jésus dans ses bras. Plus l'abîme est profond et béant sous mes pas. Le péril extrême, un prompt secours demande, plus je me réfugie, ô Jésus, dans tes bras. Tu me donnes toujours selon ma confiance. Quand j'ai tout demandé, n'ai-je pas tout reçu? Avec toi, tout triomphe est assuré d'avance. Quand on est sûr de vaincre, on a déjà vaincu. Prions le Seigneur. Ô Éternel, Dieu des cieux, roi des rois, créateur et maître de l'univers, nous voici, Seigneur, par devant ta face bénie en cette matinée. À l'aurore du jour, nous venons vers toi, ô notre Dieu, pour consacrer les premières heures de la journée à toi. Nous sommes venus avec reconnaissance parce que tu as fait beaucoup de choses dans notre vie. Tu as fait beaucoup de bien à nous, Seigneur. Ils sont incalculables. Voilà pourquoi nous sommes à tes pieds. En tant que le divin médecin, c'est vous seul qui avez autorité, qui avez pouvoir. Pour que vous soyez capable de guérir toute maladie. Ou pas une maladie qui est incurable devant vous. En tant que le bon berger, tu as le pouvoir de nous guider dans de verts pâturages. Aucun besoin nous. Aucun problème nous. Aucune souffrance nous yo. Aucun ennui nous yo. Aucun toute bagaille de nous. Oh, nous vîmes devant, Seigneur,
en tant que le grand défenseur, le grand cavalier, le grand bouclier. C'est vous seul qui avez le pouvoir pour défendre nous. C'est vous seul qui avez le pouvoir pour que vous capable combattre pour nous. C'est vous seul qui avez le pouvoir pour que vous capable ban nous la victoire. Ô Dieu des cieux, en ce moment, nous venons devant. Tu es un Dieu tout-puissant, El Shaddai, un Dieu fidèle, Yahweh. Pas rien qui dépasse connaissance. Pas rien qui dépasse compétence. Ô notre Dieu, nous comptons que nous gagnons Dieu courant que nous avons servi. Nous pas servi un Dieu en bout de bois, en morceau métal, qui gagne yeux pas qu'à ouais, qui gagne main pas qu'à délivrer, qui gagne oreilles qui pas qu'à attendre, qui gagne pied pas qu'à marcher. Mais nous en affaire avec le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le grand je suis, le maître de l'univers. Oh, ce matin, Seigneur, nous pas jamais suspendre pour que nous prions pour le peuple haïtien. Nous pas jamais suspendre pour que nous prions pour le pays d'Haïti. Oh, Seigneur, nous pas connaître qui côté bagaille pour aller. Tout le monde, Seigneur, est sans espoir pour le pays. Mais n'a pas autant pris, papa, ou gen pile petit ou nan pays en cap servi ou. Ou gen pile petit ou nan pays en qui sincère ou même, qui a fait effort pour que ou marche avec ou. N'a pas mando, papa, selon volonté ou, fait des miracles, fait des merveilles pour pays en. Changez cœur, peuple nan Seigneur, si la ou qui livre ou nan tout ap malfaisant. Si là ou qui livre dans tout acte de méchanceté, si là ou qui livre dans tout âme, dans tout acte criminel, changez yo, parce que c'est vous seul qui compte changer, c'est vous seul qui ca transformer. Permet que vous prenne conscience, Seigneur. Problème payant par l'autre côté, problème payant, si les racines dans ces méchanceté yo, crime yo, yo besoin pour yo changer, papa. C'est où qu'on change, c'est où qu'on transforme. Oh, lorsqu'on fait ça, l'amour va rayer. L'amour va rayer. Yon va remer l'autre. Yon va oué bien pour l'autre. Et le sa, Seigneur, pays en va changer. Puisque nous pas qu'on un plan. Mais n'a pas mandé, n'a pas crié à ou même. Puisque on dit, lorsque nous crions, tendez. N'a pas d'eau de grâce pour pays. Même pour petit ou Seigneur qui a marché avec vous. Fais grâce pour ton changement. Afin que nous sommes capables de glorifier sous la vie et que nous capables de respirer un nouveau air. Dieu des cieux, dans le moment ça, nous voulons lever devant tout petit ou qui branché à l'heure de la délivrance. Quel que soit réseau côté que y a suivre nous, quel que soit pays côté que vous trouvez nous, nous mandons autant prier jeter un regard de pitié sur vous en ce moment, puisque chaque Seigneur y a un problème différent, yo chaque y a fait face à un problème, grand pile là y a souffri, la mandons ou même qui est le guérisseur divin, fait un miracle pour yo, grand pile Seigneur qui a un problème. Yo apprend humiliation dans mes familles, mari, dans mes amis, parce que yo stérile, yo pas qu'à enfanter. Mais nous connaît papa, ou qu'on fait miracle, ou qu'on renverser stérilité. Nous connaissons ou même qui capable rendre un monde fertile. N'a pas d'autre temps pris, puisque c'est ou même qui qu'on bail petit, ou te fait pour Elisabeth, ou te fait pour Anne. Dans temps passé yo et dans temps pas nous on fait le point pilote à moun sa yo Seigneur qui a souffri qui a prend humiliation qui gon chagrin dans cœur yo Seigneur n'a mande ou fait en délivrance pour moun sa yo ba yon ti moun parce qu'on capable faire permet que année prochaine dans même le sa moun sa yo ka célébrer grandeur célébrer puissance ou et on va venir présenter un ti moun à ou même dans temps pour. Oh, nous connaissons qu'au café.
Gan pil lot Seigneur ki ap chèche yon compagnon, y ap chèche yon moun pou yo fè vi yo, yon jeune garçon k'ap chèche yon jeune fille pou ke l fè vi li, yon jeune fille k'ap chèche yon jeune garçon pou ke yo fè vi li. Nou konnen Seigneur ke se ou menm ki bay bon bagay. Piske moun sa yo yo genyen Seigneur intention, yo gen désir pour que yo capable former un foyer. Non ap mande ou vole au secours yo. Fè miracle pou yo. Délivre yo. Permettre que rêve yo capable vini en réalité Seigneur parce que yo kwen nan ou même. Gen un pilote qui sou réseau an. Côté que foyer yo Seigneur dysfonctionnel, foyer yo gen problème, c'est conflit à droite à gauche. Ou même qui kon bay réconciliation, ou même qui kon réparer, ou même qui kon changer. N'a pas de permet que gon changement qui fait nan maison sa yo. Permet au Dieu que cœur mari yo capable attirer à madame et que madame attirer à madame et que timoun yo attirer aux parents et que parents attirer aux enfants et qu'ainsi va gen yon bonne relation, va gen yon bonne relation qui établit Seigneur nan kainan. Et que yon capable de respirer un nouvel air. On a un moment ça, gen yon moun qui en danger qu'on y a là. Gen yon moun que Satan li fouyon tout devant moun sa. Moun sa en danger, li presque tombe dans fosse nan. Gen yon moun Seigneur que Satan range pour que le pas entre nan travail nan un moment ça, pour que le pas entre la kaili. Gen yon moun qui pral entre dans accident qu'on y a là. Mais n'a mande au Père pour que non glorifié au nom du sang versé de Jésus de Nazareth, au nom du sang versé de Jésus de Nazareth, au nom du sang versé de Jésus de Nazareth, n'a crié victoire, victoire, délivrance à tout monde sa yo qui en danger dans moment ça. N'a mande au que côté céleste en capable descendre pour camper en croix, en double croix, en triple croix et que monde sa yo capable gagner la victoire. Et que yon fera encore Satan capable anathème, li capable connaître l'autre grande défaite. Et que le capable connaître que moun kap marcher avec Jésus, antenne yo connecté dans grand quartier général pays éternel, ou toujours là pour défendre yo, pour combattre pour yo. Oh, nan moment ça, nous voulons demander yon miracle pour Ronald Saint-Just ak famini. Yon miracle pour Maurice Duterval ak famille, yon miracle pour Élise Noël et famille, yon miracle pour Kerline Philogène, yon miracle pour Ali Jean-Baptiste et famille, yon miracle pour Jeffrey, yon miracle pour Dieumen Belfort et famille, yon miracle pour Marie Prague et famille, yon miracle pour Marie Loud, yon miracle pour Max André Ernest et famille, yon miracle pour Whitney Emile et famille, yon miracle pour Lucita Dorelli et famille, yon miracle pour Matt Auguste et famille, yon miracle pour la petite Samuel, yon miracle pour Rosanna Liancin et famille, yon miracle pour Marie Christine. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour Jean Lestin, yon miracle pour Joël, yon miracle pour Joseph Kaimit et famille, yon miracle pour Emmanuel Etienne et famille, yon miracle pour Antenor Médor et famille, yon miracle pour Ludy Saint-Fort et famille, yon miracle pour Patricia Gilles et famille, yon miracle pour Nandi et famille, yon miracle pour Mouna et famille, yon miracle pour Daphne Kwasi et famille, yon miracle pour Awol Kwasi, yon miracle pour Darlene Paul et famille, yon miracle pour Brisson Pirono, yon miracle pour Edwiana McLennan, yon miracle pour Eden Barrett, yon miracle pour Judas Jackson. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour Marc Belfort, yon miracle pour Onis Termeus et famille, yon miracle pour Vladimir Racius, yon miracle pour Pasola Jean-Charles, yon miracle pour Alberta Majus et famille, yon miracle pour Serette Prévillon, yon miracle pour Katiana et famille, yon miracle pour Serette Colin et famille, yon miracle pour la famille McDonald, yon miracle pour la famille Ulysse, yon miracle pour la famille Saint-Ulysse, on n'a pas de délivrance pour la famille Philosin, délivrance pour la famille Montina, délivrance pour Rosen Jacques et famille, délivrance pour Yvette Du Terval, délivrance pour Yvel Garçon et famille, délivrance pour Marcel Aurélien et famille, délivrance pour Nadia Augustin et famille, délivrance pour Marcel Augustin et famille, délivrance pour Bethsaida Massena, délivrance pour Martine Saint-Just, délivrance pour Cherline Sylvain et famille, délivrance pour Kellen Benoît et famille, délivrance pour Jeanne Destin et famille. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour Erilyn Metellus et famille, yon miracle pour une autre guerrier et famille, yon miracle pour Yonel Dorelli, yon miracle pour Lionel Joseph.
Joseph et famille, un miracle pour Markeli, un miracle pour Linda Duval, un miracle pour Anicia Desrosiers, un miracle pour Carlo Jérôme, un miracle pour Ginette Basile et famille, un miracle pour Angie Metellus, un miracle pour Mirland Saint-Cyr, un miracle pour Niveline Parisien, un miracle pour Sidoine Géraud, un miracle pour Robert Ozier. Yon miracle pour Pasteur Jimmy Jean-Baptiste et famille. Yon miracle pour Jessica Latonel. Yon miracle pour Rose Docteur. Yon miracle pour Jonathan Lebon. Yon miracle pour Marie Tony. Yon miracle pour Annie Parisien. Yon miracle pour Mia. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour yon miracle pour Némi Fontaine. Yon miracle pour Benoît Derifon et famille. Yon miracle pour Willan Devra et famille. Yon miracle pour Marie-Claire Pierre et famille. Yon miracle pour Gerland Ulysse et famille. Yon miracle pour Marilyn Castin. Yon miracle pour Juline Placide. Yon miracle pour Michael Placide. Yon miracle pour Olnac Cajus. Yon miracle pour Mackensley. Yon miracle pour Elicia Valérie. Yon miracle pour Elijah. Yon miracle pour Benito Lui. Yon miracle pour Joshua Lui. Yon miracle pour Berlin Joseph et famille. Yon miracle pour la famille Petit Homme. Yon miracle pour Valentine. Yon miracle pour Jacqueline Exumé. Yon miracle pour Betty Jordan. Yon miracle pour la famille Jordan. Yon miracle pour la famille François. En cette matinée, n'apando, yon miracle pour Yoline Etienne. Yon miracle pour Adèle Etienne. Yon miracle pour Christina Etienne. Yon miracle pour Amani Etienne. Yon miracle pour Marie Bojla et famille. Yon miracle pour Agnès Pirono. Yon miracle pour Marie-Josette Pirono. Yon miracle pour Jolie Saint-Vilus et famille. Yon miracle pour Cynthia Petit Homme. Yon miracle pour Marie-Kélie Joseph et famille. Yon miracle pour Gerline Absalon et famille. Yon miracle pour la famille René. Yon miracle pour la famille Joseph. Yon miracle pour Marley. Yon miracle pour la sœur Armand. Yon miracle pour Janelle Dielhomme. Yon miracle pour Marie-André. Yon miracle pour Wisdit Civil. Yon miracle pour Yassine Jenkins. Yon miracle pour Edna Majus. Yon miracle pour Wilder Pacombe. Yon miracle pour Julna Cajus. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour Martine Limage. Yon miracle pour Michelet Dubuisson et famille. Yon miracle pour Judith Phileus et famille. Yon miracle pour Magali Etienne. Yon miracle pour Myrlène Cajus et famille. Yon miracle pour Claude Etienne. Yon miracle pour Ankens. Yon miracle pour Franck Simon. Yon miracle pour Fernel Valérie. Yon miracle pour Nicole Exil. Yon miracle pour Anthony. Yon miracle pour Frances Excellent. Yon miracle pour Kerlin Telusma et famille. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour la famille Salomon. Yon miracle pour Roseline. Yon miracle pour Sam Eli et famille. Yon miracle pour Judnel Mirtil. Yon miracle pour Mac Daniel Mirtil. Yon miracle pour Gaël Mirtil. Yon miracle pour Endel Pierre. Yon miracle pour Udel Nicolas Pierre. Yon miracle pour Den Pierre. Yon miracle pour Elvani Pierre lui et famille. Yon miracle pour Kela François. Yon miracle pour Marie-Thérèse Faustin. Yon miracle pour la famille Félix. Yon miracle pour Dadelicha Félix. Yon miracle pour Roselyne Larose. Yon miracle pour Carole Estimé. Yon miracle pour Stéphane Baptiste. Yon miracle pour Naïcha Baptiste. Yon miracle pour Joël Charles. Yon miracle pour Pasteur Joël. Yon miracle pour la famille Montpremier. Yon miracle pour la famille Osier. Yon miracle pour Neika lui Washington. Yon miracle pour Stéphane Alphonse. Yon miracle pour Steven Saint-Just. Yon miracle pour Michael Julie Sargent. Yon miracle pour Gary Joseph. Yon miracle pour Pasteur Arimon Val et famille. Yon miracle pour la famille Belamour. Yon miracle pour Fabiola Belamour. Yon miracle pour Wasseline Chéron et famille. Yon miracle pour Janine Valérie. Yon miracle pour Hermia Valérie. Yon miracle pour Kempes Prévillon. Yon miracle pour la sœur Adrien. Yon miracle pour Claire Denise Andréville. Yon miracle pour Julien Talusme. Yon miracle pour la Merci Charles. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour Rosanna Exantus et famille. Yon miracle pour Liliane et famille. Yon miracle pour Jean-Wadner Jean-Baptiste. Yon miracle pour Achine Jean-Noël. Yon miracle pour Whitney Syriac. Yon miracle pour Anitan Syriac. Yon miracle pour la frère Maxi Ferry. Yon miracle pour Roseland Lui. Yon miracle pour Caroline Lui. Yon miracle pour Myrlène Doris Carr. Yon miracle pour Caroline Moïse et famille. Yon miracle pour Juan Carlos. Yon miracle pour Widlin Augustin. Yon miracle pour François Duméran et famille. Yon miracle pour Bachena Duméran. Yon miracle pour la famille Fleurant. Yon miracle pour Juliana Augustin. Yon miracle pour Staël Lavoisier. Yon miracle pour Fanny Cibre. Yon miracle pour Pasteur Daniel Ménard. Yon miracle pour Lumendor Saint-Ville. Yon miracle pour Maxi Vincent. Yon miracle pour Olic Lédix. Yon miracle pour Lémi Bernard. Yon miracle pour Ansi Jean-Baptiste. Yon miracle pour Le Grand Jean-Baptiste. Yon miracle pour Mimo Jérôme et famille. Yon miracle pour Martine Jean et famille. Yon miracle pour Sabine Carrière. Yon miracle pour Bermude Saint-Foy et famille. Yon miracle pour Ildeluis Vital. Yon miracle pour la famille Josapha. Yon miracle pour la famille Giovanni. Yon miracle pour Fradelise. Yon miracle pour Claude Saint-Cloud. Yon miracle pour Vedette Orius et famille. Yon miracle pour Myrlène Petit Homme. Yon miracle pour Myrlène Cadet. Yon miracle pour Gina Baptiste. Yon miracle pour la famille Mo
Montmorency, yon miracle pour Marcel Gelin, yon miracle pour la famille Eloi, yon miracle pour la famille Danda, yon miracle pour la famille Gilles, yon miracle pour la famille Ovilmar, yon miracle pour la famille Paul, yon miracle pour la famille Alexis, yon miracle pour la famille Saint-Paul, yon miracle pour la famille yon miracle pour Franz Montina, yon miracle pour Keden Elijah Salomon, yon miracle pour Lidny Achelus et famille, yon miracle pour Viviano Vicaris, yon miracle pour Myriam Vicaris, yon miracle pour Lucas Vicaris, yon miracle pour la famille Saint-Fleur, yon miracle pour la famille Victor, yon miracle pour Charla Hulette, yon miracle pour Patricia Raymond, yon miracle pour James Louis, yon miracle pour Nadège Louis, yon miracle pour Fanel Garius, yon miracle pour Sarah Polena. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour Maurice Edverwil, yon miracle pour Daphné Jean-Baptiste, yon miracle pour Esther Nicolas, yon miracle pour Janine Benjamin, yon miracle pour Myrna Luxeus, yon miracle pour Nadège Jean-Baptiste, yon miracle pour Hermine Salomon, yon miracle pour Tanisha Fizeme et famille, yon miracle pour Lévi Jacques et Lévi Joseph et famille, yon miracle pour Nadège Jacques et famille, yon miracle pour Ségan Pluie, yon miracle pour Tatiana Perevos, yon miracle pour Nathan La Rose, yon miracle pour Nadège Sanon. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour Jessie Saint-Ville, yon miracle pour Lud Jacques, yon miracle pour Ketia Desulme, yon miracle pour Antoinette Nozil, yon miracle pour Amanda Nozil, yon miracle pour Ronaldo Mondésir, yon miracle pour Denise Chérilus, yon miracle pour James Ledojouan, yon miracle pour Roseland Metellus, yon miracle pour David Jean-Baptiste, yon miracle pour Marie-Lou Jean-Charles. En ce moment de la délivrance, n'a pas de yon miracle pour Carl-Henri Destin, yon miracle pour Sandra Odige, yon miracle pour Verline Julien, yon miracle pour Dave Desrameaux, yon miracle pour Noël Zira Thomas, yon miracle pour Fleurette Jean-Paul, yon miracle pour Julie Munga. Oh, en ce moment de la délivrance, grand pilote qui besoin de délivrance, yon miracle pour Docteur Nancy Ali, grand pilote qui besoin de délivrance, pour que nous sommes capables de glorifier, pour que nous sommes capables d'exalter notre Dieu. N'a pas de fait miracle, fait délivrance, puisque c'est vous-même seul qui est capable de délivrer, c'est vous-même seul qui est capable de changer la situation. Yo. Oh, pour que nous glorifions notre Dieu, n'a pas de agir, fait miracle, fait merveille pour petit tout, yo, afin que nous sommes capables de glorifier. Oh, nous voulons l'assurance qu'autant d'écrit, nous voulons l'assurance qu'on a fait merveille pour nous, nous voulons l'assurance. Que gen miracle kap fait pour un pile monde en ce moment, c'est pour nous capable glorifier, c'est pour nous capable exalter. Voilà pourquoi nous voulons dire béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, le Dieu des miracles, béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous répond, béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous délivre, béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous répond, béni soit l'Éternel, le Dieu de l'impossible. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Au tap tande l'heure de la délivrance. Yon programme qui passe sur réseau yo chaque jour. Du dimanche au vendredi de 6h à 7h30 du matin. À toutes amies qui te branché, nous disons merci parce qu'on fidèle à l'heure de la délivrance. Et si vous sentez que programme ça, li pote la joie, l'espoir, li fait bien à vous même. Eh bien, continuez à partager numéro 11 amis, en membre famille, et ou même, les wals sur programme ça sur Facebook, là ou branché sur Facebook, partagez page là, et les wals sur YouTube, cliquez aimer, abonnez, afin que vous capable joindre mes services ça, à joindre directement, et vous capable revivre li à n'importe quel moment que vous choisi. Et mes amis, c'était serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi, nous souhaitons que vous capable traverser une bonne journée dans le Seigneur. Et m'a dit au revoir et m'a placé avec les sœurs Saint-Ville dans leur interprétation Excess Love. Au revoir. Yeah.
Mesdames et messieurs, c'était les sœurs Saint-Ville dans l'interprétation yo too much love, excess love. Eh bien, amis, nous disons merci d'avoir suivi l'heure de la délivrance en cette matinée du mardi 10 août. Nous bon rendez-vous à demain matin, dans même heure, dans 6 heures, on combat boule. Depuis à 5h45, 5h50, ou capable de brancher. Parce que pour Gamna, li déjà ouvri côté que gain belle musique qui a passé. Donc nous disons merci, bonne journée à vous tous et à demain matin. Au revoir.